Bonjour mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour votre émission Ma famille, ma vie. Alors comme d'habitude, trois rubriques, l'info de l'expert, le témoignage et pour finir, la rubrique de Kheldin Kheldoun, faites-le à la maison. Alors aujourd'hui, nous avons choisi le sujet de l'obésité et surpoids chez les enfants. Et avec nous pour en parler, c'est Dr Hammoudi Leïla, vous êtes médecin du sport, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame. Merci. Je vous en prie. Et on passe tout de suite à l'info de l'expert. Alors, votre enfant est un petit goulu. Son bel appétit fait plaisir à voir. Il est parfois difficile pour les parents de savoir si leur enfant est simplement rond ou réellement en surpoids. Certains vont s'inquiéter dès que le pantalon serre un peu, lorsque d'autres tarderont, au contraire, à prendre la situation en main. Alors, docteur, expliquez-nous qu'est-ce que le surpoids ou l'obésité chez l'enfant? Alors, l'excès de poids ou l'obésité est dû à un excès de graisse au niveau de l'organisme. Après, il y a un moyen très, très intéressant de calculer cette surcharge pondérale ou cette obésité. Et ce moyen est le calcul de l'IMC, qui est le poids en kilos divisé par la taille en mètres élevée au carré. Donc, si nous avons une valeur de cet IMC qui va de 25 à, disons, jusqu'à 29,9 ou 30, on parle de surcharge pondérale. Mais si ça va au-delà de 30, on parle d'obésité. Après, il y a un autre moyen qui est un peu plus précis. Lorsqu'il s'associe au calcul de l'IMC, c'est la mesure du périmètre abdominal. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, chez le sportif, des personnes qui paraissent obèses, mais en fait, c'est plutôt du muscle qui est en grande quantité. Donc, ce n'est pas de la graisse. Donc, il faut faire très attention de ne pas se leurrer par rapport. Ces deux indices sont très importants pour pouvoir donc dire s'il y a une surcharge pondérale et, à plus forte raison, une obésité. Très bien. Alors, quelles sont les causes, justement, de cette surcharge pondérale? D'accord. Alors, les causes sont multiples. Bien sûr, la première cause, c'est la cause nutritionnelle, quand il y a un déséquilibre entre les apports et les dépenses. Il y a des causes médicales, il y a des causes psychologiques et sociales. Nous allons nous attarder beaucoup plus sur tout ce qui est nutritionnel. Et il y a également un facteur environnemental qui est celui de l'insuffisance d'activité physique ou de la sédentarité. Et ces deux paramètres, c'est sur cela que nous allons revenir tout au long de notre émission. Bien. Et quelles sont les conséquences justement de ce surpoids et de cette obésité sur la santé? Alors, les conséquences sont nombreuses également et c'est ce qui nous fait parler de ce sujet aujourd'hui. Alors, bien sûr, s'il y a une obésité qui est considérée par l'OMS comme maintenant une maladie et non pas un facteur de risque des maladies, notamment cardiovasculaires, c'est considéré comme une maladie. Elle fait le lit de pas mal d'autres maladies, notamment chroniques, cardiovasculaires, hypertension, métabolique, telles que le diabète, certains cancers et j'en passe. Donc, si nous faisons un effort à la base, c'est-à-dire chez nos enfants et nos adolescents maintenant, il vaut mieux, donc ça nous permet de préparer nos adultes de demain. Oui. D'abord parce que cette alimentation est importante, joue un rôle dans la croissance et le développement de l'enfant. Oui. Deuxièmement, elle contribue à sa santé, qu'elle soit une santé d'aujourd'hui et de demain. Et donc tout ce qui prépare l'enfant à l'alimentation, à savoir bien choisir ses aliments, à lui apprendre à bien manger et à trouver du plaisir dans l'alimentation, va nous concerner. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut faire un régime alimentaire à un enfant? Oh, la régime alimentaire, ce terme de régime, je n'aime pas trop parce que, en fait, quand on parle de régime, on pense toujours à la restriction et c'est très mal accepté. Donc, quand on parle de régime, moi, je préfère dire on fait attention ou on mange normalement. Parce que quand vous voyez des personnes qui ne mangent pas trop de friandises, par exemple, de confiserie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, ils disent je suis au régime. Non! On peut toujours prendre une petite pâtisserie et n'en parlons plus parce que eux quand ils mangent, ça veut dire qu'il faut qu'ils en mangent 4 ou 5, non? Manger une pâtisserie ne fait pas de mal, mais c'est l'excès qui est mauvais. Donc le terme régime ne convient pas. C'est une alimentation que l'on doit avoir, qui doit être saine, varié, équilibré, obéissant à un équilibre alimentaire, à des repères nutritionnels
Et toute la famille, comme est nommée votre émission, toute la famille doit manger de la même manière. Il n'y a pas de personnes qui sont, entre guillemets, pestiférées parce qu'elles ont un excès de poids, on met de côté et on lui donne que ce qu'il faut manger pour perdre du poids. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut plus avoir un bon régime alimentaire. Quand je dis régime alimentaire, ça ne veut pas dire que je Oui, parle une façon de oui, manger voilà. adéquate et qui Une bonne obéit à hygiène de une vie. bonne hygiène de vie alimentaire qui concerne toute la famille et tout le monde mange et prend des repères nutritionnels qu'il faut pour toute la population. Voilà. D'accord, très bien. Et comment si on a l'impression que notre enfant est en train de prendre du poids, comment stabiliser son poids sans forcément passer par le régime ou par autre. Alors, vous savez, il y a les enfants, donc on parle des enfants de 3 ans à 11 ans, et il y a aussi toute la population des adolescents. L'adolescent. Voilà. Alors, quand on se rend compte que notre enfant prend du poids, c'est vrai qu'on est peut-être alarmé, qu'on ne sait pas sur quelle mesure prendre, etc. L'idéal, c'est de se rapprocher de son Médecin. médecin, enfin du médecin de l'enfant, qu'il soit généraliste ou à plus forte raison, si c'est un excès de poids qui est très important, se rapprocher d'un professionnel qui maîtrise ce genre de problème. Pourquoi un professionnel? Parce que le professionnel va pouvoir d'abord repérer les erreurs et les erreurs alimentaires et les comportements alimentaires inadéquats, les modifier, donner des conseils et puis adapter ces conseils tant à l'enfant et à la famille. Oui. Il faut que ces conseils soient acceptables par l'enfant et par les Toute la parents, famille. toute la famille, que ce soit la fratrie ou les parents. D'accord, très Voilà. bien. Et justement, comment aider notre enfant à développer de bonnes habitudes alimentaires? Alors bon, ça s'acquiert dès le jeune âge. Hein. Il faut Oui. déjà qu'il trouve des parents qui obéissent à des repères nutritionnels adéquats. Bon, alors quand l'enfant grandit dans un milieu où on fait attention aux quantités, par exemple tel produit alimentaire, on n'en mange pas beaucoup parce que c'est pas bon pour la santé ou parce que ça fait grossir ou parce que ceci ou parce que cela, et d'autres produits alimentaires, ça par exemple, on peut en abuser parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est peu calorique, parce que comme les fruits et légumes, par exemple, Oui. à ce moment-là, l'enfant grandit dans cette ambiance. Mais si vous avez une ambiance alimentaire à la maison qui fait défaut, il est clair que l'enfant Va ne va prendre ses pas mauvaises habitudes. va prendre ses mauvaises habitudes. Alors, il y a le mode de vie qui intervient dans ces habitudes alimentaires inappropriées. Il y a donc un mode de vie qui n'est pas intéressant, mais il y a aussi toutes les publicités qui entourent notre vie actuelle, qui prônent tels produits comme par exemple les barres chocolatées, ou alors les céréales trop sucrées, trop grasses, ou alors donc Alors le bien sûr chocolat qu'on met dans le on lait, est oui. tenté, oui on est tenté, et arrêter les frais au départ est plus intéressant que de laisser les choses prendre de l'ampleur, parce qu'après il est plus difficile d'agir sur les erreurs alimentaires. D'accord. L'enfant a pris l'habitude, etc. Il est plus intéressant d'agir au début parce qu'il est plus facile de pouvoir rectifier Oui. les erreurs. Et puis, la prise en charge précoce est plus intéressante. Est plus D'accord. intéressante. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut bannir de ces placards, justement? Alors, bien sûr, vous avez toute la gamme des produits sucrés et gras. Et en général, il y a des produits aussi qui sont sucrés et gras. Donc, Oui. bien sûr, vous avez tout ce qui est, comme on a dit tout à l'heure, les confiseries, la viennoiserie, les pâtisseries, etc. Et vous avez les matières grasses aussi, Voilà. par exemple, Donc, l'huile, les margarines, le beurre, etc., oui. les crèmes fraîches. Mais ça ne veut pas dire qu'on les enlève carrément de l'alimentation. D'accord. C'est-à-dire que la maîtresse de maison, quand elle cuisine, elle doit savoir que c'est intéressant pour la santé, par exemple pour les matières grasses, que les produits sucrés tels que par exemple ou et gras comme par exemple le chocolat, ça fait plaisir, ça c'est physiologique, mais qu'il ne faut pas En en abuser. abuser. Voilà, c'est ça ce qui est Par très exemple, pour un petit important. déjeuner, on ne donne déjà pas l'habitude aux enfants de prendre des céréales ou du chocolat, de la poudre chocolatée qu'on va mélanger dans le lait. Ça, il vaut mieux l'éviter dès le début. Ou est-ce qu'on peut, par exemple, donner des céréales et du chocolat En au fait, matin? tout est une question de choix des produits. Les céréales, c'est vrai que tout le monde sait qu'elles ont une connotation péjorative, mais il y a des céréales qui sont peu sucrées. Il suffit uniquement de De savoir les lire. choisir, de lire, comme vous dire, les étiquettes, par exemple, quand on sait les lire. Donc, bannir les céréales carrément du petit déjeuner n'est pas intéressant. Donc, des céréales peu sucrées avec du lait demi-écrémé, avec un fruit, c'est C'est un bon petit extraordinaire. Oui, déjeuner.
un bon petit déjeuner pour débuter la journée. Le petit déjeuner est très important à prendre, que ce soit pour les adultes ou les enfants, parce qu'il il permet de débuter la journée avec une énergie intéressante et il permet de ne pas commencer à faire du n'importe quoi au milieu de la matinée. Vous comprenez? Et d'attendre le déjeuner. Pour éviter les grignotages, justement. Pour éviter les grignotages qui ne sont pas intéressants, effectivement, dans le cadre d'un bon état nutritionnel, d'un bon équilibre nutritionnel. Si on a quand même un petit creux, qu'est-ce qu'il est préférable de grignoter, on va Alors, dire. Si on parle des enfants, par exemple, à un petit creux, il peut prendre un fruit, il peut prendre un yaourt pas trop sucré, il peut croquer aussi, nous avons les carottes, les concombres, voilà, moi la dernière fois j'ai vu un enfant qui m'a vraiment impressionné, il croquait carrément dans un poivron cru. Et ça, c'est pas tellement vu chez nous. Très bien. Oui, c'est rare de voir un enfant réclamer un légume. C'est souvent une tartine ou autre chose. Oui, alors après, il vaut mieux qu'il mange un petit morceau de pain et un yaourt ou un fruit ou croquer dans une carotte ou un concombre que de prendre carrément une barre chocolatée ou alors une pâtisserie ou une viennoiserie. Ou des bonbons. Les bonbons aussi, les sucettes, les bonbons, les sodas. Vous avez les sodas, les jus avec sucre ajouté. Alors ça, c'est donc les bonbons à bannir complètement de notre vie, ou on peut quand même se faire plaisir de temps en temps, faire plaisir aux enfants. Oui, il le faut, parce que sinon ils ne vont pas tenir. D'accord. Ni eux ni nous d'ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, si on prend les produits alimentaires qui donnent beaucoup de calories, par exemple, on prend un hamburger, par exemple. Oui. Ça, il ne faut pas l'enlever et le bannir. Là, notre enfant a le droit de prendre de temps en temps un hamburger. Le problème, il n'est pas au niveau de l'hamburger, mais il est au niveau de ce qu'on va mettre dedans. Oui. De la viande, de la laitue. Oui, de la viande, de la laitue, bannir la mayonnaise, mettre du ketchup, par exemple, qui est moins calorique, mettre de la moutarde qui est moins calorique. Voilà, c'est-à-dire tout ça, c'est un apprentissage qu'il faut faire, madame, vous comprenez? Il faut, dès le départ, que ce soit des règles nutritionnelles. Prendre les bonnes habitudes. Bonnes habitudes. Donc, faire le marché avec ses enfants, acheter ce qui lui plaît comme fruits, comme légumes, par exemple, s'il aime certains légumes, pas d'autres. Contribuer avec lui dans le bon état nutritionnel. Lui parler des bienfaits de ce fruit, de ce légume, lui raconter l'histoire de ce légume, peut-être que ça va l'intéresser aussi. Il y a ça aussi, il y a aussi les parents doivent manger la même chose que leurs enfants. Si vous avez des parents qui rejettent certains légumes, l'enfant, il est pas bête, il va tout de suite. Il va dire, pourquoi toi tu ne manges pas et moi je vais manger. Donc, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, ça doit rentrer dans une dynamique familiale. Tout le monde mange la même chose. Et vous savez, dans la définition de l'équilibre alimentaire, souvent on donne comme définition, on mange varié, équilibré, sain. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a aussi tout ce qui est plaisir. Et tout ce qui est convivialité. On mange en famille, on mange à table, à des horaires réguliers, et on ne mange pas devant la télé, on ne mange pas devant le PC, on ne mange pas avec le jeu vidéo, c'est pas possible. Donc, instaurer certaines règles qui normalement doivent être des règles de base, on doit les reprendre pour pouvoir rectifier les choses et repartir d'un bon pied. Très bien. Alors, après tout ça, nous allons passer à la rubrique témoignage. Oui. Donc, ce sera la rubrique témoignage tout de suite. Alors, pour la rubrique témoignage, c'est notre collègue Araouf Hamouche qui a tendu le micro à des passants sur la place d'Alger et qui a recueilli leur témoignage, tout simplement. Et on regarde ça tout de suite. Voilà, la première des choses. Ne pas changer les habitudes. Avant, bon, l'enfant se levait le matin, on a le petit déjeuner à l'école, on à midi, on avait, c'est-à-dire c'était réglé. Donc quand l'enfant il est à la maison, il demande. C'est plein de sucreries. Même quand l'enfant demande, quand le maman est derrière, là on a une tartine, paille, beurre, paille, confiture, paille à des lipides, paille à... on ne lui donne pas des sucreries. Alors là, on a des chips, des gaufres, des conditions pour, c'est tout à fait. Et en plus de ça, il n'y a pas d'activité. C'est-à-dire, l'enfant ne bouge pas, il est cloîtré, il mange, il est cloîtré, il mange. Alors là, on ne va pas le voir le faire. Mais avec le temps, ça va développer une obésité qui sera mal gérée. Si c'est l'information est vraie,
Peut-être que voilà, l'obésité, c'est les enfants ne sortent pas et ils ne font pas de mouvement, du sport, c'est normal. C'est évident que voilà, ils prennent du poids. Le conseil, il est clair, net et précis. C'est, dans une certaine mesure, on subit les conséquences de nos comportements. C'est-à-dire qu'on a abandonné nos traditions culinaires. On est quand même sur la Méditerranée. Qui dit Méditerranée dit des plats riches en poisson et pauvres en viande, beaucoup d'huile d'olive, etc. Alors qu'aujourd'hui, on voit que les gens suivent une certaine occidentalisation du mode de vie et de consommation qui se répercute sur la santé publique. Et sur le poids des enfants, c'est incontestable. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le résultat de nos mauvaises habitudes finalement alimentaires. Mmh. On a quand même un patrimoine culinaire assez riche, assez naturel, assez sain, assez bio notamment. Et on s'est détourné de ça pour aller plutôt chercher ou voir ce qui se fait ailleurs, et c'est pas forcément plus sain. Alors, comme on vient de le voir en image, le confinement n'arrange pas les choses. Le confinement et la situation actuelle fait que nos bonnes habitudes, les bonnes habitudes qu'on avait dès le début, donc le matin on prend un petit déj, tout le monde sort, les enfants sont à l'école, donc soit ils sont à la crèche, ils ont en général un menu quand même assez varié, c'est quand même assez étudié, ça va, c'est pas, ils font de bons petits plats. Ils ont quand même un petit goûter le matin, un petit goûter l'après-midi. On revient à la maison. Ils ont passé toute la journée à se dépenser à l'école, soit physiquement, soit psychologiquement, mentalement. Et le soir, on se retrouve à la maison, on discute tous ensemble de la journée qu'on vient de passer. On partage un bon dîner, un bon repas ensemble, et puis tout le monde va se coucher. Là, c'est plus le cas du tout. On se retrouve à rester à la maison toute la journée avec des enfants qui ne bougent plus, qui grignotent à tout bout de champ parce qu'on s'ennuie, donc on se met à grignoter, on ne dort plus le soir et ça chamboule un petit peu tout. Est-ce que tout cela peut justement provoquer des problèmes de poids plus tard chez les enfants ? Oui, alors effectivement, le problème du confinement a entraîné de nombreuses conséquences sur tous les plans. Pas uniquement sur le plan nutritionnel, sur le plan du sommeil, sur le plan nutritionnel, sur le plan de l'activité physique. Alors ceux qui en faisaient ont arrêté parce que tout est fermé, ils ne peuvent pas par rapport à la crainte qu'ils ont. Ce qui fait que eux qui n'avaient pas de problème de poids ont maintenant des problèmes de poids. Voilà. Et ceux qui en avaient ont augmenté leurs problèmes de poids. Alors c'est pas évident. Et bien sûr, l'ennui. L'oisiveté fait que nous allons régulièrement au placard, nous allons régulièrement ouvrir le frigidaire, voir ce qu'il y a à grignoter et ça n'en finit pas. Cette sédentarité qui est là accentue les choses. C'est pas évident du tout. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui ont été très intelligentes et qui ont gardé un minimum d'activité physique. Le confinement n'est pas une fin en soi. C'est vrai qu'elles ont fait quelques petits excès parce que ce n'est pas possible de ne pas en faire à la maison, d'accord? Mais à côté, elles ont fait attention à ce qu'il y ait une dépense énergétique. Donc, pour les personnes qui ont de l'espace chez elles, qui ont un tapis roulant ou un vélo, etc., ont pu profiter de cette situation. Moi, je connais des personnes qui ont fait sur YouTube, elles ont pris carrément des vidéos, et puis elles se sont mises en tenue de sport, parce qu'elles savaient que c'était pas l'issue, c'était la surcharge pondérale. Donc voilà, et puis par rapport à l'alimentation, c'est vrai que c'est un peu plus délicat, parce qu'on a tendance à le stress, c'est le stress qui fait ça. Une des causes de la prise de poids, c'est le stress, le fait de rester comme ça entre quatre murs, de tourner, etc. C'est vrai qu'on va se réconforter avec des produits alimentaires en général qui ne sont pas conseillés. Oui. Voilà, c'est du chocolat, des glaces, c'est la saison des glaces. C'est ça, exactement. Oui. Donc, il faut avoir, comment on établit un bon programme, on va dire, pendant le confinement pour ne pas prendre de poids? Alors, je reviens à cette instauration des repères nutritionnels par les parents. D'accord. Les parents, puisque l'émission porte sur les enfants, les parents ont un grand rôle à jouer. Donc, la maîtresse de maison va revisiter
ces recettes de façon à ce qu'elles soient agréables, les repas, les menus soient agréables, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de saveurs, utiliser beaucoup d'épices, des herbes aromatiques, etc. Relever un peu, éviter trop des matières grasses, trop de sel dans les biscuits, éventuellement si elle en fait à la maison, ou des gâteaux secs ou autre chose, diminuer un peu la quantité de sucre, la quantité de chocolat qu'on met dessus, ou alors éviter d'en mettre, etc. Il y a beaucoup d'astuces pour pouvoir un peu dévier un peu ces habitudes qui ont fait que... parce que c'est... Vous savez, prendre du poids, c'est très facile. Mais oui, en perdre, c'est plus compliqué. Donc, autant qu'on... Parce que vous savez, en plus, cette période de confinement, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Oui. Donc, si on se dit j'attends que ça s'arrête pour commencer à faire du sport, j'attends que ça s'arrête pour commencer à avoir une bonne hygiène alimentaire, ça risque d'aller loin. Oui. Et après, Inch'Allah, si cette maladie disparaît, on va se retrouver effectivement avec trop d'excès. Et après, ça sera un peu plus difficile parce qu'on aura acquis des habitudes alimentaires et comportementales difficiles à gérer par la suite. Quand on prend des mauvaises habitudes, c'est très difficile, tout le monde le sait, ça. C'est compliqué. Mais vous savez, quand on fait les choses ensemble, par exemple à la maison, je m'excuse de revenir à chaque fois sur ça, quand c'est tout le monde qui fait la même chose, chacun encourage l'autre. Oui. Vous comprenez ? On peut faire à manger avec les enfants, par exemple, on leur demande de l'aide. Oui, ça, tu épluches les légumes, toi tu commences, même s'il n'arrive pas, on lui met un petit escabeau et on lui donne la marmite, on lui met et puis il touille. Et avec la cuillère en bois, bien sûr, il faut surveiller, rester avec les petits. Oui. Et il trouve beaucoup de plaisir à aider les parents dans la préparation des repas. Très bien. Oui. Bonne astuce. Bonne astuce, oui. Il le faut. En tout cas, merci beaucoup, docteur. C'était très enrichissant. Oui. Alors, je rappelle, vous êtes docteur Hamoudi Leïla. Oui. Vous êtes médecin du sport. C'est ça. Vous avez accepté notre invitation et c'était un réel plaisir. Merci encore. Je vous en prie, madame. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Inch'Allah. Et tout de suite, nous passons à la rubrique Faites-le à la maison avec Khair Din Khaldoun. Et place à la rubrique Faites-le à la maison avec Khair Din Khaldoun. Khairou, bonjour. Bonjour Mounia. Bienvenue. Merci. Alors, comment tu vas? La baisse, Khair? Alhamdoulilah. Ben, j'ai suivi un petit peu, ça parlait de la sédentarité, de l'obésité. Je pense qu'on devrait être plus actif. Hein. Oui. Il faut se trouver des astuces, des moyens pour pouvoir bouger chez soi. Hein. Oui, faire des activités sportives et tout ça, c'est clair. Oui, il faut se bouger un petit peu pour ne pas se retrouver d'ici la fin du confinement. Ouais. Si on bouge, c'est qu'on on transpire. Si on transpire, il faut qu'on lave notre linge. Oui. Si on lave le linge, où il faut le mettre? Dans un panier. Je te voyais venir, mais je n'arrivais pas à comprendre. Alors, justement, c'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire un panier à la maison. Oui. Alors pour cela, il nous faut un carton de la corde et un bout de tissu. C'est très facile, on va voir ça en image, tu vas voir. Donc on recycle le carton. On recycle le carton avec un peu de corde. Très bien. On le fait. Ok, on regarde. Parfait. Ok, super. Très bien. Alors, comme tu le vois, nous avons pris un carton à la maison, un vieux carton dont on n'a plus besoin. On prend de la corde et avec le pistolet à colle, on colle la corde tout autour du carton. Ça va le renforcer. Oui, ça va l'habiller aussi. Ça va l'habiller, ça va faire un joli petit carton. Ouais. Dans ce carton-là, tu peux mettre pas mal de choses, hein. Pas forcément que des habits sales, ou tu peux mettre autre chose, des livres, des jouets, pas mal de choses. Ça te fera une petite boîte de rangement, ça dépend de la taille du carton. Voilà. Alors, avec le pistolet à colle, donc je pense que tout le monde a un petit pistolet à colle. Au pire, vous pouvez prendre de la colle, tout simplement. Carrément. De la colle, carrément, voilà. Ouais. Je ne citerai pas le nom, mais la colle jaune, là. Jaune, oui. Voilà. Très bien. Donc, comme tu le vois, sur toute la hauteur du carton. C'est joli, quand même. Hein. Voilà. Et après, on habille l'intérieur. Voilà. C'est normal. Mais pour habiller l'intérieur, il faut avoir le gabarit. Ah, d'accord. Pour le faire, on prend un bout de tissu, et puis on replie comme tu le vois sur l'image, donc on replie toutes les façades, on tient avec des petites épingles pour faire les coins, tu vois. Là, ça nous a fait des coins, on va les prendre avec des épingles toujours, c'est pour prendre nos repères. Ouais. Et après ça, nous allons d'abord couper ce qui dépasse. D'accord. Donc tu vois tout ce qui reste là dépasse. Donc nous allons d'abord coudre, je me suis trompée. Donc nous allons d'abord coudre avec une aiguille et un fil. Tu vas le faire, je ne pourrais pas le faire. Voilà, ensuite on découpe avec ce qui dépasse avec les ciseaux. Ouais.
Voilà. Et ensuite, ce qu'on fait, on fait un petit ourlet. D'accord. On peut ne pas faire de l'ourlet et le coller carrément sur le, sur le carton, sur la corde. Là, on a tout cousu, ça nous fait la taille du carton exactement. Donc, on l'enlève. Super. Parce qu'on va le mettre à l'intérieur, oui. Pour protéger le carton aussi. C'est normal. Donc, on déshabille notre carton et on réhabille à l'intérieur avec ce petit sac qu'on vient de confectionner. C'est joli en tout cas. C'est assez simple, c'est joli. Et voilà. Et on retourne. Très bien. Et tout simplement. Voilà. Ah ben super. Ça fait un joli petit carton. Et en plus, on trouve les mêmes dans les boutiques de décoration et tout ça à des prix exorbitants, alors qu'on peut très bien le faire à la maison, avec un carton, de la corde, de la colle et un bout de tissu pour habiller l'intérieur, bien sûr. Très bien. Facile. Pas cher. Pas cher, et où carton, je pourrais ranger corde, mes... Où tu pourras ranger soit tes CD, soit ranger tes carnets, on va dire, tes carnets de notes. Très bien, quand tu pars en mission pour certifier des aides. Ou sinon, pour prendre un plus grand carton, pour mettre du linge sale ou du linge propre, si tu veux. Ah, c'est joli, en tout cas. Ça t'intéresse? Bah, super. Tu pourras le faire à la maison? Mais je ne peux pas coudre, ça c'est clair, tu vas le faire. Je vais te coudre la housse et puis tu vois, tu t'occuperas de la corde. Super. Eh bien, très bien. Bah, c'était l'activité qu'on vous a proposée aujourd'hui. C'était un plaisir, merci comme à chaque beaucoup. Fois. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Ouais. Okay. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et au revoir. Ciao, salut. Ciao.